Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il a commencé de faire ici à Brazzaville, à Pointe-Noire et au Congo, en si peu d'années. Depuis combien de temps Brazza existe? Ici c'est Brazza, commencé ici à Diata depuis combien de temps? Exactement, hein? 2012 ou 2013 ou 2000 fin 2000 donc début. Et nous ne considérons pas comme acquis. En quelques années, en 3 ans, Dieu a tellement fait. Le Seigneur s'est tellement déployé. Et quand je pense que ce n'est que le début du commencement, une vague est en mouvement. Aucun bras invisible ne pourra stopper ce que fait le bras de Dieu. Ah! Aucun bras ne peut faire le bras de fer avec Dieu. Personne ne peut faire le bras de fer avec Dieu et prévaloir. Dieu est toujours plus que vainqueur. Ce qu'il a commencé au Congo Brazzaville a commencé comme un petit nuage, a commencé petit. Mais je vois une pierre grandir, grandir, ébranler les autorités, les dominations sataniques qui contrôlaient le Congo. J'annonce et je décrète ce que le Saint-Esprit a commencé. Aucune domination établie dans ce pays, quel que soit le nom qu'on leur a donné, personne n'a la capacité. Ils peuvent essayer de bloquer un homme, mais ils ne peuvent pas résister au bras de Dieu. Cette œuvre est le bras du Seigneur qui est en train de se déployer sur le Congo et sur la francophonie. Voilà pourquoi je déclare que les conspirations, les coalitions, les manigances, les intrigues, les manipulations humaines d'inspiration démoniaque, aucune ne pourra stopper, freiner ou ralentir ce que le Saint-Esprit a commencé de faire. Gardez-les pour ça. C'est totalement impossible. Et ceux qui vont contester, s'opposer à ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans la capitale de l'Afrique, la capitale de l'Afrique équatoriale française, ceux qui vont s'opposer, je déclare et je décrète en 2017 qu'ils tomberont les uns à la suite des autres. Sans savoir pourquoi, ils tomberont les uns à la suite des autres. Un bras invisible. De la même manière qu'un bras invisible s'est déployé en Égypte pour frapper, je déclare et je décrète que le bras invisible du Seigneur mettra à terre et frappera tous ceux qui s'opposeront à l'action du Saint-Esprit. Cette parole est certaine et entièrement digne d'être reçue. Elle s'accomplit cette année dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame si tu le crois. Acclame. Rendez grâce. L'abbé Marc a dit qu'il faut savoir honorer certains hommes. Et il faut bénir Dieu chaque jour pour le prix payé par son serviteur, le pasteur Yves, mon frère, pour la consécration, l'obéissance, la quête du Saint-Esprit. La qualité de la locomotive fait toute la différence pour l'ensemble du train. Et quand je vois le rythme de vos 3 cultes, et je vois ses fonctions et ses responsabilités, je dis, ne prenez jamais ça pour acquis. Mais comme des hurs et des harons, portez-le en permanence. Je déclare que le Seigneur le porte à travers vos prières et nos prières. Et personne ne freinera, n'arrêtera ce que le Saint-Esprit a commencé de faire. Et ce n'est que le commencement. Dans le nom de Jésus. Amen. Venez vous asseoir dans sa présence. Oui, tu peux acclamer. Tu peux acclamer le nom du Seigneur pendant que tu t'assieds. Ce matin, je voudrais, dans la continuité de ce dont votre pasteur est en train de parler depuis plusieurs mois maintenant, des marques d'honneur au Saint-Esprit, la personne la plus importante sur terre, je voudrais juste déposer un dépôt avec le temps que
dont je disposerai, je voudrais vous parler de la puissance de la véritable adoration. Alors, il y a tellement à dire que je soupire pendant que je parle pour que le Saint-Esprit me rende capable de dire l'essentiel. Mais de tout ce qui sera dit, retiens juste l'essentiel. Quelqu'un me dit amen. Et je crois que tu retiendras l'essentiel par la grâce de Dieu. Dis amen au nom de Jésus. Dis amen. Et parce que la thématique est vaste. Je crois que je l'ai enseigné en cinq sessions, cinq dimanches différents. Mais on va essayer de compacter et de déposer quelque chose. La puissance de la véritable adoration. C'est important que le pasteur Yves prenne le temps d'asseoir les fondements de la révérence, de l'honneur au Saint-Esprit. Mais en fait, quand on parle d'honorer le Saint-Esprit, on est en train de parler en réalité de l'adoration. Quelqu'un me dit amen. Et les amis, je vous assure véritablement que lorsque tu veux aller loin avec Dieu, il faut bien mettre la fondation. Tout édifice qui n'a pas une fondation solide, même s'il a l'air joli, même s'il a l'air beau, c'est un édifice qui finira par s'écrouler, mais tu ne t'écrouleras pas au nom de Jésus. Et je crois que la principale des fondations, même pas la principale, la fondation absolue qu'il faut mettre dans la vie de tout enfant de Dieu, c'est la fondation de la véritable adoration. Là où on capture le cœur de Dieu. La réussite durable avec Dieu ne commence pas par l'éclat extérieur. Elle commence toujours par un éclat intérieur qui doit d'abord être visible à l'intérieur de toi. La réussite doit commencer à l'intérieur avant de se déployer à l'extérieur. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Et voyez-vous, on ne commence donc pas avec l'onction. Il faut commencer avec l'adoration. Il faut commencer avec la véritable adoration. Ça ne s'arrête pas là. Mais lorsque une personne atteint la dimension de véritable adoration, devient un véritable adorateur, tout le reste ne fait que se déclencher à partir de cela. J'ai parlé quand je suis venu en mai, je ne me rappelle plus exactement, mais je crois que j'avais parlé de l'adoration, du réveil des adorateurs. Mais là, je ne suis pas venu parler des adorateurs parce qu'entre-temps, il m'a emmené dans les eaux profondes pour comprendre qu'il y avait une différence entre les adorateurs et les véritables adorateurs. Est-ce que quelqu'un me suit? Bien-aimé, dans toute l'histoire biblique, j'ai observé pour vous, et je crois que vous avez observé également, que chaque fois que le peuple de Dieu était harcelé, oppressé, tourmenté, frappé, humilié, vaincu, défait par ses ennemis, il n'était pas vaincu, défait à terre parce que les ennemis étaient trop puissants. C'est pas vrai. Parce que même quand l'ennemi est puissant, il y a quelqu'un qu'on appelle le Tout-Puissant. Qui est la puissance des puissances? Qui est le puissant des puissants? Chaque fois que Israël était vaincu, ce n'était jamais parce que l'ennemi était trop fort. À chaque fois que Israël était vaincu, c'était toujours lié à un problème qui trouvait son origine dans sa relation avec Dieu et dans la nature de l'adoration qu'il offrait à Dieu. Chaque fois qu'il n'était plus la tête et qu'il demeurait trop longtemps la queue, c'est parce qu'il y avait un désordre, un dérèglement quelque part dans sa relation avec Dieu et dans la nature de l'adoration qu'il offrait à Dieu. Chaque fois que Dieu approuvait, chaque fois que Dieu agréait son peuple, chaque fois que Dieu prenait plaisir à son peuple, chaque fois que Dieu recevait l'adoration de son peuple, chaque fois que Dieu recevait les sacrifices, les offrandes, les actions de grâce, chaque fois que Dieu recevait, agréait ce qu'on lui offrait, la réponse de Dieu, lorsqu'il agrée, quand il répond, c'est toujours le feu. Dieu répond toujours par le feu. Et quand Dieu se déploie, la Bible dit que quand il s'avance toujours comme un feu dévorant. C'est l'ennemi, quand il voit ce feu dévorant, lui-même, il avance son peuple derrière lui. Quand l'ennemi voit un feu dévorant, le peuple était sûr de gagner. Quand le feu dévorant se mouvait devant son peuple, ce peuple ne pouvait pas perdre. C'était impossible. Quand Dieu est devant, quand Dieu prend plaisir, lui-même il marche devant, lui-même il avance, il n'y a personne qui pouvait prévaloir.
Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? À l'inverse, lorsque ce peuple n'honorait pas Dieu, lorsque ce peuple le déshonorait, le méprisait, lorsqu'il tombait dans l'idolâtrie et qu'il se mettait à invoquer d'autres dieux en dehors du seul vrai Dieu, Dieu le livrait à ses ennemis et quelle que soit la puissance militaire et économique d'Israël, ils étaient frappés de sécheresse et ils étaient asservis, rendus esclaves par leurs ennemis. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y avait toujours un lien entre ce que le peuple vivait et la nature de son adoration. Oh, qui dit adoration? Et ça, il faut comprendre ça définitivement. Qui dit adoration ne dit pas chanson, ne dit pas danse. Ce sont des expressions d'adoration. Mais ce n'est pas la définition de l'adoration. Qui dit adoration dit offrande, dit sacrifice. La première fois, on dit qu'adorer, c'est proskuneo, c'est se prosterner. Mais c'est beaucoup plus que se prosterner physiquement. Adorer, quand tu dis t'adorer, tu es en train de dire je m'abandonne. Adorer, c'est offrir, c'est sacrifier. La première fois que le mot adorer, c'est ce qu'on appelle la loi de la première mention. La première fois que le mot adorer apparaît dans la Bible, il n'y a aucune chanson, aucun instrument. Il y a juste une personne appelée Abraham qui est en train d'aller offrir en sacrifice ce qu'il a de plus cher, ce qui avait représenté son passé, son présent et son futur, Isaac, qui allait l'offrir en sacrifice. C'est ça l'adoration. S'il n'y a pas sacrifice, il n'y a pas adoration. Le mot adoration se résume au mot sacrifice. Quand Satan dit, si tu te prosternes devant moi et si tu m'adores, il n'est pas en train de dire, si tu chantes, il n'est pas en train de dire, si tu te mets à genoux. Non, ce n'est pas ce qu'il disait à Jésus. Non. Quand il dit, si tu te prosternes et si tu m'adores, il est en train de lui dire, si tu dresses un autel et tu m'offres un sacrifice. Parce que ce qu'il a proposé à Jésus, c'est ce qu'il propose aux occultistes, aux gens qui pratiquent la sorcellerie. Qu'est-ce qu'il leur dit? Prosterne-toi et adore. Qu'est-ce qu'ils font? C'est pas juste mettre à genoux, non. C'est apporter sur l'autel un sacrifice, c'est-à-dire du sang humain. Parce que Satan a besoin de sang humain pour se renforcer. Il est en train de dire, apporte un sacrifice. Et d'ailleurs, tous les sacrifices n'ont pas la même puissance, la même portée, la même importance. Et ça, le monde occulte l'a compris. Il y a sacrifice et sacrifice. Nous, on aime les sacrifices corporels. Se prosterner, s'humilier, lever les mains, acclamer. Oui, c'est bon, ce sont des sacrifices. Mais j'ai découvert qu'il y a des sacrifices qui engagent le corps et puis il y a des sacrifices qui engagent le cœur et qui n'ont pas le même poids. Parce que Dieu regarde plus au cœur qu'au corps. Alors si tu danses, si tu chantes, quand tout va bien, gloire à Dieu. Mais déjà, tu vas te rendre compte que quand tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, lorsque tout en toi s'interroge et dit, je ne sais pas pourquoi je traverse ce que je traverse. Et lorsqu'une voix te dit, maudit Dieu, meurt, questionne, remet en cause sa fidélité. Et qu'au plus profond de toi, tu décides de confesser le nom du Seigneur. Tu décides de proclamer. Tu décides, malgré tes frustrations, de prêter allégeance et de dire t'adorer, t'adorer, carré bobo, et que tu n'as pas envie, et que ta chair dit tais-toi, ton âme paresse. Lorsque tu décides de proclamer, malgré la frustration, la maladie, l'angoisse, la galère, malgré les frustrations, là, mon ami, tu es en train de découvrir ce qu'on appelle un sacrifice. C'est ce qu'on appelle un sacrifice de louange. Ça veut dire que naturellement, ça n'a pas envie de sortir. Mais ça sort avec dureté, avec labeur de ton âme. Parce que tu es esclave et prisonnier. Là, ça devient un sacrifice de louange. Et ça a plus de poids qu'une simple louange. Si tu me dis, si tu me suis, dis, je te suis. Mon point. Dis avec moi sacrifice. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas d'adoration. Si tu danses, 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 pour finir par mettre un centime, 100 francs dans la corbeille, alors que tu pourrais mettre beaucoup plus,
Tu as dansé, tu n'as pas adoré. Dans l'adoration, il y a sacrifice. Le mot que les chrétiens n'aiment pas, sacrifice. Le mot que les agents du diable et les praticiens du diable, ceux qui vont chercher les médiums et les marabouts, reconnaissent comme étant incontournable, sacrifice. Parce que la première chose qu'on leur demande, c'est amen, un sacrifice. On n'aime pas ce mot. C'est le mot le plus puissant. Quand tu le comprends, sacrifice. Et que tu décides toi-même d'être le sacrifice. Wow! Quand tu es le sacrifice et que tu t'abandonnes, oh, dis avec moi sacrifice. Dis avec moi sacrifice. La louange, c'est vrai, c'est vrai. C'est une expression d'adoration. Le chant est une expression d'adoration. La libéralité donnée est une expression d'adoration. Jeûner est une expression d'adoration. Parce que c'est un sacrifice que de se priver d'aliments. Il y a plusieurs formes de sacrifice. Et quand tu les offres à Dieu, c'est ça qu'on appelle adoration. Si tu me suis dit, je te suis. Je n'ai pas entendu. Alors, je suis en train de vous dire que la victoire du peuple de Dieu n'était jamais et n'est jamais fonction de la grandeur de son armée. Non. Ni de sa force, non. Ni de la puissance de son armée, non. Avec 300 personnes, Gédéon a vaincu toute une armée. Pourquoi? Le secret, la victoire du peuple de Dieu ne dépendait jamais de son armée, mais dépendait toujours de la capacité de Dieu à le conduire en personne. Voilà pourquoi le psalmiste dit, dans le psaume 33, verset 16 à 18, ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. On ne redoutait pas le peuple de Dieu à cause de son équipement militaire. On redoutait le peuple de Dieu parce que Dieu était avec lui. Et quand Dieu marche devant lui et que Dieu se lève, le résultat, c'est toujours que ses ennemis se dispersent. Je dis qu'ils se dispersent devant toi et moi au nom de Jésus. Ils se dispersent comme jamais auparavant cette année au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. La qualité de ta vie dépend donc, tes conditions dépendent totalement de la nature de ton adoration, de la qualité de ta relation et de la nature de ton adoration. Est-ce que quelqu'un me suit? Écoute-moi. Quand tu es trouvé véritable adorateur, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de lutte. Quand tu es trouvé véritable adorateur, caché derrière la bergerie, ce n'est qu'une question de temps avant que tu n'ailles à la chancellerie. Quand tu es trouvé véritable adorateur et que tu vis dans l'obscurité, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une main invisible ne te tire de l'obscurité sans l'intervention d'un homme pour te propulser vers la royauté. Quand tu es véritable adorateur, tu ne peux pas demeurer insignifiant, même si tu n'étais rien. C'est Dieu qui va s'investir dans ta vie pour te prendre et te mettre à la tête des nations. Même si tu ne voulais pas ça, Dieu va le faire à travers toi. Quand tu es véritable adorateur, tu ne peux pas être vaincu. Tu ne peux pas être défait. Tu ne peux pas. Écoute-moi, si ça fait des années que tu pries, que tu jeûnes, que tu fais des offrandes, que tu chantes, que tu danses, c'est formidable parce que ce sont des expressions d'adoration. Dis amen. Amen. Dis amen. Amen. Si ça fait des années que tu fais tout ça et que malgré le fait que tu chantes, le fait que tu donnes, le fait que tu danses, le fait que tu jeûnes, comment peut-on jeûner? Et puis à la fin du jeûne, on tombe dans l'impudicité. Ah, karabobo shakarama. C'est-à-dire que c'était, tu as offert à Dieu un sacrifice, parce que le jeûne était un sacrifice, parce que ça te coûte de te priver de repas. Dis amen. Amen. Mais si, malgré tout ce que tu fais, tu te sens toujours mou, flagada, lourd, oppressé, harcelé, tourmenté. Il m'a dit de te dire, le problème
ce n'est pas qui tu adores. Le problème, c'est examine la nature de ton adoration. Examine le fondement, la nature. Comment peux-tu offrir des sacrifices à Dieu et puis ta vie ne change pas? C'est-à-dire que la même masturbation, les mêmes pensées d'impudicité, les mêmes rêves de nuit, les femmes de nuit là, les hommes de nuit viennent souiller ta couche, les mêmes personnes viennent dans la nuit te faire manger. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais je dis que si c'est permanent et ça demeure, alors que tu invoques Dieu, tu ne t'es pas trompé sur le Dieu que tu invoques. Si tu invoques Dieu seul. Parce que si tu n'invoques pas Dieu seul, tu perds ton temps. Parce que si tu n'invoques pas Dieu seul, tu es dans ce qu'on appelle l'idolâtrie. Si tu invoques Dieu et tu invoques d'autres, les morts, les génies, les esprits, qu'on appelle les divinités ou les anges, ça veut dire que tu n'invoques pas. Ah, c'est parce que le temps me manque. Dieu seul. Si tu n'invoques pas Dieu seul, tu es dans l'idolâtrie. Est-ce que quelqu'un me suit? L'idolâtrie, c'est quoi? C'est invoquer. Tu peux invoquer Dieu, mais si tu invoques en même temps que Dieu, le Créateur, si tu invoques une créature, tu es dans l'idolâtrie. Parce que Dieu seul. T'imagines un peu? Si le Saint-Esprit m'a dit, regarde dans vos pays. Regarde dans vos pays. Si le peuple invoque, demande de l'aide, appelle à l'aide un autre que le chef de l'État se sent offensé. Le chef de l'État se sent froissé. Pourquoi? Parce que c'est l'essence, sa raison d'être même, c'est de servir ses concitoyens. Si on invoque un autre que lui, c'est une manière de lui dire qu'on ne veut plus de toi. Si on invoque un autre que le chef de l'État, c'est une manière de diminuer le pouvoir, la capacité d'action du chef de l'État. Si on invoque un ministre plus qu'un chef de l'État, ce ministre, même s'il fait du bon travail, ne restera pas longtemps ministre. Pourquoi? Il devient un concurrent du chef de l'État. Il m'a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Peut-être que les chefs de l'État ne peuvent pas tout faire, mais moi, tu as tout pleinement en moi. Pour la maladie, tu as moi. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui pourvoit. Je suis ton protecteur, ton bouclier, ton intercesseur, ton médiateur, ton avocat, ta bannière, ton salut, ton étendard. Tout ce dont tu as besoin se trouve en moi. Tu n'as besoin de personne d'autre que moi. Appeler un autre que moi, c'est me minimiser. Je me sens offensé. Et alors, mon nom n'est pas sanctifié. Parce que que ton nom soit sanctifié, littéralement, ça veut dire que toi seul sois reconnu comme Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et si son nom n'est pas sanctifié, lui seul n'est pas reconnu comme Dieu, comme Créateur, alors il me dit, je ne peux plus. Toi, si mon nom n'est pas sanctifié, je ne peux plus emmener mon règne. Si je ne peux pas emmener mon règne, je ne peux pas faire ma volonté. Si tu veux que je fasse ma volonté, tu veux que je te guérisse, je te libère, enlève les concurrents que tu as associés à ma personne. Tu ne peux pas appeler Dieu et appeler un marabout. Et du coup, quand tu es guéri, on ne sait pas qui t'a guéri. Quand c'est comme ça, Dieu dit, appelle d'abord ton marabout, appelle tes gens. Tu dis, Seigneur, au nom de Jésus. Et c'est pour ça que ça ne marche pas. Pourquoi? Il n'est pas sanctifié. Quand tu auras fini avec les marabouts, les devins, les mamans pasteurs, les mamans intelles, les ngunza, tout ça là, maintenant, tu vas dire, Seigneur, ça ne va marcher. Maintenant, j'implore ton nom. Je ferai irruption après que tu sois repenti, que tu sois humilié. Je ferai irruption dans les affaires des hommes et je montrerai la différence. Donc, le point est que si tu n'adores pas que Dieu, tu es un idolâtre. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Mais si tu n'adores que Dieu, tu ne pries que Dieu, et malgré tout, tu te sens toujours lourd, mou, harcelé, oppressé. La chair te presse, les démons te pressent. Il m'a dit, regarde la nature de ton adoration. Est-ce que c'est une vraie adoration ou est-ce que c'est une fausse adoration? Parce que si Jésus dit, le Père recherche les véritables, Seigneur, si Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit, en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Si Jésus parle de vrais adorateurs, ça veut dire
qu'il y a des faux adorateurs. Et il m'a dit, les faux adorateurs ne sont pas des idolâtres. Ne sont pas des gens qui invoquent les démons, non. Ce sont des gens qui m'invoquent moi seul. Et qui m'offrent des sacrifices à moi seul. Mais les sacrifices qu'ils offrent, je ne les reçois pas. C'est la bonne adresse. Mais il y a quelque chose dans la manière d'offrir qui fait en sorte que Dieu n'exauce pas. Dieu ne reçoit pas. Parce que quand Dieu reçoit le sacrifice, le résultat, c'est le feu. Quand Dieu reçoit l'adoration, quand Dieu agrée ce que tu lui envoies, il m'a dit de te dire, tu ne peux pas rester oppressé. Pourquoi? Quand il répond par le feu consume tout sur son passage. Dieu est un feu dévorant. Et chaque fois qu'il agrée ce que tu as offert, ta louange, ton adoration, il agrée ton offrande, chaque fois, chaque fois qu'il souffle, le feu, que fait le feu? Le feu brûle. Le feu consume. Quand tu n'as pas de vision, à force d'offrir à Dieu ta vie comme un sacrifice vivant, le feu consume le voile qui t'empêche de voir. Quand tu es bloqué, tu es lié par des péchés dans ton âme, l'amertume, le rejet. Mais si tu adores, et on va le voir en esprit et en vérité, que se passe-t-il? Le feu va consumer le péché. Le feu va consumer les chaînes. Le feu consume les liens. Le feu, là où les démons étaient cramponnés à ton âme. Quand le feu vient, il consume ton âme. Et que tu sais, écoute, si les démons, si quelqu'un s'accroche à ce pupitre et que le pupitre est en feu, celui qui s'accroche reçoit le feu. Et c'est ce feu qui pousse les démons à dire aïe, 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 ça brûle. Les démons ne sortent pas s'il n'y a pas le feu. Si les démons, voilà pourquoi la plupart des gens, oh, voilà pourquoi la plupart des gens sont oppressés. On prie pour toi, on t'a imposé les mains. Quand on t'a imposé les mains, on a libéré par l'imposition des mains et par la parole prophétique, on a libéré un feu. Mais à chaque jour, suffit sa peine. Ce feu ne peut pas être permanent. Ce feu était pour te ranimer, pour te rallumer. Mais en fait, c'est toi-même maintenant qui chaque jour doit comprendre comment faire en sorte pour que le feu qu'on avait communiqué continue d'augmenter sans imposition des mains, sans intervention pastorale, sans intervention. Comment faire en sorte que le feu continue d'augmenter? Et ça, le secret pour que ce feu continue chaque jour d'augmenter. Le feu, c'est que ce que tu offres à Dieu soit agréé de Dieu. Et pour que ce soit agréé, il faut que ce que tu offres, Jésus dit, soit offert en esprit et en vérité. Tu ne peux pas recevoir le feu et être lié. Tu ne peux pas recevoir le feu et avoir peur. Quand quelqu'un est intimidé, oh, Seigneur, ma mère, c'est parce qu'il n'y a pas encore le feu. Quand le feu vient, tu ne sais pas pourquoi, mais tes ennemis, quel que soit leur nombre, quand tu les regardes, le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? De qui aurais-je peur? Le Seigneur est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Pourquoi? Le feu consume la peur. Le feu consume l'intimidation. Le feu consume... Non, le feu fait de toi un feu dévorant. Je prie que ce feu soit réveillé dans ta vie en cette année 2017 comme jamais auparavant, dans le nom de Jésus. Dis à ton voisin, la clé c'est le feu. Pourquoi des démons? Est-ce que tu as vu quand les démons se manifestent? Tu as vu les manifestations des démons? Tu as vu quand les esprits de sorcellerie se manifestent? À chaque fois, ils disent aïe, 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 ça brûle, ça brûle, ça brûle. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu. Je prie que ce feu. Écoute-moi, je suis en train de te préparer, de te parler d'une dimension où sans que quelqu'un te touche seul à la maison, il y a des dispositions, il y a une manière d'adorer Dieu, il y a une manière de t'abandonner à Dieu qui fait en sorte qu'il y a un feu qui vient sur toi. Là où la sirène des eaux venait la nuit te venir salir ta couche en disant tu es à moi, tu m'appartiens, il y a une dimension d'adoration où il y a un feu qui vient. L'esprit des eaux dit aïe, ça brûle. J'ai dit maman, je t'avais averti, mon cœur ne t'appartient pas. J'ai donné le pilote, le volant de ma vie, mon cœur, au Saint-Esprit. Mon cœur n'est plus à toi. Et les démons ne quittent pas une personne sans le feu. Ce qui convainc les démons de quitter définitivement la vie d'une personne, c'est lorsque le feu devient permanent. Ils en, parce qu'ils ne sont pas bêtes, hein, ils réfléchissent. Mais cette personne-là, à chaque fois, il y a le feu. À chaque fois, elle est embrasée. À chaque fois, il va être tranquille. À chaque fois, on s'agite.
ils doivent arriver dans ta vie à la conclusion de ce qu'on trouvera plus de repos dans les lieux arides que dans ce vase de terre. C'est ce qu'ils ont compris avec moi. C'est ce qu'ils ont compris. J'ai dit qu'ils vont comprendre ça avec toi. Dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Tu ne peux pas offrir à Dieu une adoration véritable et tu n'es pas enflammé. Quelqu'un qui est enflammé n'est jamais intimidé. Quelqu'un qui est embrasé terrorise. Tu vois, quand Dieu s'est révélé à Moïse, il s'est révélé à Moïse dans un buisson qui ne se consumait pas. C'était un feu permanent. Quand Dieu te consume, quand Dieu t'embrase, tu ressembles dans le monde spirituel à quelqu'un. En fait, on ne te voit pas comme ça. On voit, on dirait, un feu qui est en train de se balader, qui est en mouvement. Un feu, c'est pour... Et quelqu'un qui est en feu inspire la terreur. Quand il est mis, je prie que tu inspires cette terreur. Au nom de Jésus. Oh, si tu étais d'accord avec cette parole, tu aurais déjà acclamé le nom du Seigneur. Ce feu doit embraser ton homme intérieur. Il doit embraser ton esprit. Quand ton esprit est embrasé, ton âme sera embrasée. Ton corps recevra le fruit de cet embrasement. Mon ami, il m'a dit, la clé c'est le feu. Le problème, c'est que le feu n'atterrit pas. Qui a avancé le... Le feu n'atterrit pas parce que tu offres des sacrifices à Dieu. Le feu atterrit parce que les sacrifices que tu offres à Dieu sont offerts en esprit. Est-ce que quelqu'un comprend un peu? Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi je parle? Si tu comprends, dis un bon amen. C'est pas tout d'offrir des sacrifices. Je vous ai dit, église, il y a sacrifice et sacrifice. Le Seigneur m'a dit, va en eau profonde avec les sacrifices. Arrête de t'arrêter au sacrifice corporel. Va plus loin. Donne ton cœur. Donne ton âme. Livre-toi. Abandonne-toi. Là, les gens ne veulent pas arriver là-bas. Ça devient trop compliqué. Ils préfèrent danser, chanter. Alléluia. Louer, louer. Prosterner. D'accord. Mais prosterne un peu ta volonté d'abord. Dis avec moi sacrifice et sacrifice. Non, dis avec moi sacrifice et sacrifice. C'est ça. Il y a des sacrifices et des sacrifices. Il m'a dit, les gens n'aiment pas. Alors, la puissance du feu dépend de la valeur du sacrifice. Si tu loues, tu danses, c'est bien, c'est un sacrifice. Mais quelqu'un qui ne loue pas, qui ne danse pas, parce que des fois, tu n'as pas envie de danser, mais ce n'est pas grave. Il y a des sacrifices. Demande à Abraham si quand il a libéré Agar ou quand il donnait Isaac, il avait envie de danser. Non, mais ce sacrifice qu'il a offert à Dieu. Hein, tu sais, quand tu as, il m'a dit, lorsque tu as quelque chose que tu aimes, à quoi tu es habitué, une relation que tu aimes, un homme, une femme. Quand tu es avec cette personne, tu sens que l'impudicité est en train de se renforcer à l'intérieur de toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le genre de personne, le genre de relation pour lesquelles tu préfères prier et dire, Seigneur, fortifie-moi, alors que tu sais que la solution, ce n'est pas de prier. Parce que prier et dire, Seigneur, fortifie-moi, tu es en face de la sœur, tu es en face du frère, au lieu de fuir l'impudicité, tu dis, fortifie-moi. Tu regardes sa poitrine découverte et tu dis, fortifie-moi, Seigneur. Oh, Jésus, fortifie-moi. Tu préfères danser, chanter, acclamer, te prosterner. Mais, il m'a dit, il y a sacrifice et sacrifice. Il y a sacrifice et sacrifice. Lorsque tu es capable de regarder ce genre de relation et de dire, chaque fois que je suis en ton contact, je sens l'impudicité monter en moi. Mais, ou alors tu ne le dis pas, mais tu sais au moins que chaque fois que tu es dans cette présence, ou chaque fois qu'on t'appelle directeur, ministre, tu sens que l'orgueil est en train de te remuer, est en train de remuer ton cœur. Lorsque tu es capable de dire, pour l'instant, je renonce à ce titre. Oh, mais pourquoi? Je préfère renoncer. Je renonce à ce sac. Je renonce à cette voiture. Pas pour maintenant. Je ne suis pas prêt encore. Parce que je sens l'orgueil monter. Il faut d'abord que cet orgueil. Lorsque tu es capable de dire à cette personne, comme Abraham a dit à Agar, je t'aime bien. J'aime Ismaël. Je l'ai depuis 13 ans. Mais, d'accord. Faut partir. Faut partir. Et tu n'as pas envie de chanter. Parce que là, tu sacrifies une relation. Il m'a montré comment crucifier ta chair. C'est un sacrifice que tu es en train d'offrir, qui ne te fait pas chanter ni danser. Non, mais c'est un sacrifice d'une bonne odeur. Parce que tu t'es séparé
de quelque chose qui injuriait le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, par motif de conscience envers Dieu, là, tu viens de faire ce qu'on appelle honorer le Saint-Esprit. Quête la bouche. Mais j'entends un adorateur dire, oh non, moi je préfère t'honorer en t'acclamant. Le Saint-Esprit dit, il y a sacrifice. Mais excuse-moi, la personne qui a sacrifié des relations, qui a dit à un homme ou une femme, arrête, j'arrête avec toi. Je ne peux pas souiller, déshonorer le Saint-Esprit. Je ne peux pas. Je ne suis pas tombé dans le péché, mais j'examine mes pensées. Et je sais que cette pensée d'impudicité, il y a une pensée qui monte en moi, qui est en train de dire au Saint-Esprit, est-ce que je peux avoir de la place, s'il te plaît? Et le Saint-Esprit est offensé, il est vexé, parce que tu ne fais pas le ménage. On ne t'a pas attrapé, c'est toi qui décides. Parce que le Saint-Esprit te dit, regarde cette pensée, elle m'injurie, c'est une forteresse. Qu'est-ce que tu vas faire? Il y en a qui préfèrent danser, ce sont les adorateurs. Les véritables adorateurs disent, on va couper, on va séparer, on va éloigner. Cela, laisse-moi te dire une chose, quand il a fait ça, Dieu a soufflé. Le feu qui est descendu sur cette personne. Kaka rebosa. Oh, yakabe remabosa. Yena mabrokosa. Yena mabrokosa. J'aime bien quand les choses profondes, parce qu'il y a des choses quand on te dit, tu es béni, amen, tu vas te marier, amen. Et quand on te parle des choses sérieuses, regarde, il y a des gens. Est-ce qu'il y a dans cette pièce un véritable adorateur et pas seulement un adorateur? Quelqu'un me dit amen. J'ai dit quelqu'un me dit amen. Ce n'est pas tout de donner des offrandes. Ce n'est pas tout de prier, de jeûner. Ce n'est pas tout de danser. Il faut encore que ce que tu offres, dit Jésus, soit offert en esprit. Le grec dit pneuma. Et en vérité, en fait, la traduction littérale du grec dit, il faut que les vrais adorateurs, il dit que les vrais adorateurs, dans Jean 4, on ne va pas le lire à cause du temps, Jean 4, verset 20 à 24, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, au verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Le texte grec dit « un pneuma aletheia ». Ça veut dire littéralement « par l'esprit, à travers l'esprit et c'est de manière sincère, de manière vraie ». Oh mon ami, tout le secret est là. Le secret du feu est là. C'est pas parce que tu as offert. Vous savez que tout ce qu'on offre à Dieu, Dieu ne le reçoit pas forcément. Tout ce qui est enregistré sur la terre n'est pas comptabilisé au ciel. Pour que ce soit comptabilisé au ciel et que ça réponde par le feu, Jésus dit, il faut que ce soit offert en esprit. Israël n'a pas compris ça. Israël pensait qu'il fallait seulement se prosterner, chanter, danser, acclamer et puis faire tout ça à Jérusalem. Et si on fait ça, c'est l'adoration véritable. Jésus a dit non. Non, non, ça c'est l'adoration. Ce n'est pas la véritable adoration. Waouh! Koro machata de rebosa. Ma, dis avec moi la véritable adoration. Alors, j'ai quelques minutes pour donner maintenant mon message. J'étais juste dans l'introduction. Oh Seigneur Jésus, fortifie ton peuple. Alléluia. Ah, tu dois dire alléluia, fortifie ton serviteur. Alors, je vais essayer d'aller vite. Vous brossez un portrait rapide. Dis avec moi adoration en esprit. Dis avec moi en esprit. Tu vois, j'avais jamais compris ça jusqu'à ce que le Saint-Esprit ouvre mon intelligence. J'avais jamais compris c'était quoi, que signifiait offrir, sacrifier en esprit et en vérité. Mais il dit premièrement, il faut que ce soit fait en esprit. Le contraire de l'esprit dans la Bible, c'est là. C'est là. Je n'entends pas, c'est là. Pourtant, tout à l'heure, tu as clamé fort. Maintenant, pour le message, maintenant, tu n'as plus de voix. C'est bizarre, hein? Le contraire de ce qui est fait en esprit, c'est ce qui est fait selon la chair. Mais ça veut dire quoi, adorer selon la chair? Offrir selon la chair. Est-ce que ça veut dire offrir avec des pensées d'impudicité, d'adultère, d'immoralité, de jalousie? Non! Non, non, c'est pas ça. Il m'a dit, adorer
par la chair. Ça ne veut pas dire adorer avec des mauvaises pensées. Adorer par la chair. La chair, c'est sax en grec. Ça veut dire les cinq sens. Dis cinq sens. Adorer par la chair, ça veut dire quoi? La chair, d'abord, tu dois comprendre, la chair ne produit pas que des passions et des désirs. La chair donne également des révélations. La chair donne également des informations. Tout ce que tu as appris à l'école, tu l'as appris par la chair. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu sais aujourd'hui, tu l'as entendu par les professeurs. Ou tu l'as lu par les livres. Dis amen. Amen. Ça veut dire que c'est une information qui est rentrée en toi par les cinq. Mais non, si tu continues comme ça, je vais te dire de quitter et de laisser les gens qui sont dans l'attente venir dans cette salle. Est-ce que quelqu'un me suit? Il m'a dit, tout ce que tu as appris à l'école, c'est rentré par tes oreilles, par tes yeux, ta bouche, le goûter, le toucher, l'odorat. C'est ça la chair. Il m'a dit, c'est quoi chanter par la chair? Les ténèbres ont reculé. Chant numéro 154 dans le livre à la page 149. Quoi? Devant l'agneau, ils m'ont lé. Et le sang. Couplet numéro 2, de la vie crie l'agonie, de la vie qui brûle en moi, son amour est à jamais, tous ensemble, son amour est à jamais, ma reconnaissance au roi, ma reconnaissance. Tu as chanté le chant exactement comme ton oreille l'a entendu. Tu n'as pas rajouté des paroles qui viennent de toi, qui bouillonnaient de ton cœur et qui sont sorties des paroles de gratitude, des paroles d'amour. Mange cantique et pour mon roi. Tout ce que tu as dit a été emprunté à celui qui a composé la chanson. Rien n'est sorti de toi. Tu viens de chanter par là. Chicare de maman broco, c'est le bas. David a découvert qu'il fallait deux conditions pour que le feu soit libéré. Il fallait que ce qu'on offre à Dieu soit offert en esprit et en vérité. David était quelqu'un de sincère, était quelqu'un de vrai, était quelqu'un d'authentique. Mais David a commis une erreur. Il a offert à Dieu un sacrifice qui était qui était vrai, mais qui n'était pas spirituel. Je voulais que je vous montre. Je commence mon message selon maintenant. 2 Samuel, vite. 2 Samuel 6, verset 3 à 7. David, 2 Samuel, c'est l'histoire où David va chercher l'arche de Dieu. Oh, dis avec moi l'arche de Dieu. David va chercher l'arche de Dieu. 2 Samuel 6, verset 3 à 7. Ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu. Dis avec moi un char neuf. Dis avec moi un char neuf. Alors la Bible dit, ils l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Usa et Achio, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments, de bois, de cyprès, des harpes, des luttes, des tambourins, des sistres et des cymbales. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils louaient, ils célébraient. Ça, c'était un sacrifice offert à Dieu. Si tu es d'accord, dis amen. Amen. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Usa étendit la main vers l'arche de Dieu et il la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Usa et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Usa mourut là, près de l'arche de Dieu. David a dansé, il a célébré, il a transpiré. Tous les instruments ont été mobilisés pour l'événement. À la fin, Usa touche, Usa meurt. Dieu n'a pas agréé. Qu'est-ce qui s'est passé? David a découvert que ce n'est pas suffisant d'être sincère. Il faut aussi que ce que tu offres à Dieu soit conduit par l'Esprit. David a offert à Dieu un sacrifice. Il a pris des décisions qui étaient influencées par la chair. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais pasteur Ivan, qu'est-ce qui te permet de dire que David était influencé par la chair? La question que, j'avais jamais vu ça, le Saint-Esprit m'a montré ça. La question, c'est où David? Parce qu'en fait,
quand il a cherché Dieu, Dieu lui a montré qu'on le transporte par l'arche sur un char. Le char n'était pas un char d'occasion, c'était un char neuf. Donc il a montré qu'il était bien disposé. Mais Dieu n'a pas agréé, le feu n'a pas consumé l'offrande. Dieu a rejeté l'offrande, Dieu a rejeté le sacrifice, Dieu a rejeté l'adoration. Alors que David était sincère. Il était sincère. Il a porté un char neuf. Dieu dit rejeté. Et quand il a cherché Dieu, et tu le verras à la maison dans 2 Chroniques 29, verset 25, quand il a cherché Dieu, Dieu lui a montré que l'arche ne peut pas être portée par des vaches. L'arche doit être portée par des lévites, des sacrificateurs qui doivent transporter l'arche sur leurs épaules. C'était ça le secret. C'était ça le secret. Maintenant la question, dis avec moi la question. Je n'ai pas entendu, dis avec moi la question. La question où? Mais où est-ce que David a appris qu'il fallait transporter l'arche sur un char neuf? Viens avec moi dans 1 Samuel 6, verset 8. 1 Samuel 6, verset 8. Regarde, quand l'arche de l'Éternel était chez les Philistins, quand l'arche était chez les Philistins, avant d'arriver chez David, l'arche était chez les Philistins, et que l'arche était en train de frapper les Philistins sont allés voir les prêtres des devins. Ils sont allés demander aux devins, comment faut-il faire pour envoyer l'arche de l'Éternel chez elles? Et les Philistins, les prêtres des Philistins, donc les sorciers, ont dit, mettez l'arche sur un char neuf et renvoyez-la en Israël. Et ils ont mis l'arche sur un char neuf et l'arche est arrivée en Israël. L'arche est retournée en Israël. David n'était pas là physiquement, mais David a entendu dire comment l'arche était arrivée en Israël. Et David s'est dit, si elle est arrivée comme ça en Israël, je peux la transporter comme ça. La chair. Je sais que ta chair n'aime pas ce message. Ton esprit dit yes, yes, yes. Dis avec moi, offrir en esprit. Pourquoi l'offrande de Caïn n'a pas été approuvée par Dieu? Tu sais pourquoi? Je sais que tu sais. Mais est-ce que tu réalises pourquoi? Caïn s'est dit, ce qui compte, c'est le geste. Dieu a dit non. Dieu dit non. Ce que tu donnes, je suis un chef d'État. On ne donne pas n'importe quoi au chef de l'État. Il y a des cadeaux qui sont perçus comme étant un manque de respect. Ce que tu offres doit lui faire plaisir. Ça doit lui être agréable. Quand c'est l'esprit qui offre, la chair, quand elle offre, elle dit donne seulement l'offrande. Mais quand c'est l'esprit qui offre, l'esprit ne donne pas seulement l'offrande. L'esprit donne l'offrande qu'il faut donner. Et quand c'est le premier salaire, la chair dit une partie du salaire convient. Je dis non. Je suis le premier. Tout ce qui est premier est à moi, dans sa globalité. Colmez-vous. Alors, je n'ai pas le temps de développer ça. Mais en fait, tu dois comprendre que adorer en esprit, offrir en esprit, ce n'est pas juste le geste, c'est la justice. Parce que la justice, ça veut dire quoi? J'ai pas le temps de vous démontrer, mais je l'ai déjà enseigné. C'est ce qui... Tu vois, ça t'est déjà arrivé à ton anniversaire, quand on te donne un cadeau, et quand tu regardes le cadeau, tu te sens même parfois fâché ou offensé. Et puis dès que la personne a tourné le dos, tu prends le cadeau, tu balances, ou tu vois un passant, tu dis, papa, j'ai pensé à toi aujourd'hui, vraiment. Je vais te manifester l'amour de Dieu, prends le cadeau. Mais en fait, c'est parce que le cadeau, tu n'as pas aimé. Mais si toi, il y a des cadeaux que tu n'aimes pas parce que tu aurais aimé qu'on te consulte d'abord pour voir ce que tu aimes, ce qui te fait plaisir. On ne t'a pas demandé ce qui te fait plaisir. Et le gars t'a offert ce qui lui fait plaisir alors que le but, ce n'est pas de t'offrir, de m'offrir ce qui te fait plaisir. C'est de m'offrir ce qui, moi, me fait plaisir. Voilà. Quand tu vas méditer à la maison, tu vas découvrir que ce qui fait plaisir à Dieu, Ésaïe chapitre 58 verset 6 à 8, Jérémie 9 verset 24, Amos 5 verset 22 à 24, tu vas découvrir que ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui est offert par l'Esprit n'offre pas à Dieu
ce qu'il a envie d'offrir. L'esprit offre à Dieu ce qui fait plaisir à Dieu, ce qui lui est agréable, ce que tu as envie. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, hein, je suis en train de faire vite. Oh là là, je n'ai même pas encore attaqué en vérité. Mais en fait, l'esprit offre à Dieu ce qui fait plaisir. Et ce qui fait plaisir à Dieu, d'après les passages que je t'ai cités, tu vas te rendre compte que ce qui fait plaisir à Dieu, c'est sa justice. C'est pour ça qu'il a. La justice, c'est quoi? Ce sont les lois. Lorsque ces lois sont respectées, Dieu prend plaisir. C'est pourquoi Ataïa a dit non, mais c'est le geste, non. Dieu a dit non. Abel a offert quoi? Il a respecté la loi des prémices. Dieu dit c'est la loi. Quand quelqu'un respecte la loi, il me fait plaisir. Et il m'a enseigné ça. Il m'a montré que adorer en esprit, c'est plus que chanter en esprit. Parce que des fois, tu adores en esprit sans chanter. Comment tu fais ça? Il m'a dit, quand tu respectes une loi, même quand ça te fait mal, tu n'as pas envie de la respecter. Mais quand tu honores des gens que tu n'as pas envie d'honorer, quand tu aimes des gens que tu n'as pas envie d'aimer, quand tu es fidèle, alors qu'on te méprise dans le travail, on ne t'augmente pas. Mais quand tu es fidèle, tu respectes la loi de la fidélité. Quand tu préserves ton corps dans la chasteté et dans la sainteté, malgré les critiques des parents, des papas, des mamans, des oncles, des tantes, tu es encore célibataire, mais tu dis non, oui, parce que je suis le temple du Saint-Esprit, je ne peux pas me compromettre. Il m'a montré que lorsque tu respectes la justice, lorsque tu respectes ses lois, sans chanter, sans danser, tu es en train de lui offrir quelque chose qui fait mal. C'est un sacrifice, ça te coûte. Il me dit, c'est ça, adorer en esprit. Si tu veux le feu, tu la comprends. Le feu ne vient pas parce que tu as fait une offrande. Le feu vient quand sur tes revenus, tu as donné au minimum la dîme. Là, il dit, c'est en esprit. Ça respectait une loi. Quand sur 100 000 francs tu as enlevé, tu donnes 1 000. Tu dis, c'est le geste qui compte. L'église a comptabilisé. Le ciel n'a pas comptabilisé. Alléluia, Jésus. Bon, j'aime la vérité. En regardant ton visage, en parcourant la salle, je peux dire qui est un adorateur et qui est un véritable. Jésus dit, il faut que ceux qui adorent le Père l'adorent à travers l'esprit, pas la chair. C'est l'esprit qui doit le faire. Ce n'est pas les cinq sens. Il faut que ça respecte la loi. La loi de la sainteté. La loi de l'humilité. La loi de la fidélité. La loi de quoi encore? La loi de l'excellence. Oh, quand ça respecte une loi, ça fait mal. C'est ce qu'on appelle un sacrifice. Si ça ne fait pas mal, ce n'est pas un sacrifice. Adoration véritable. Il y a une puissance dedans. Parce que dès que tu fais ça, le feu, là où les démons te tenaient, ça commence à brûler. Le lendemain encore, tous les jours, quand tu sors de là, les démons disent non, pitié, vas-y, laisse-nous partir. Tu dis, attendez, restez encore, non, on veut partir, on n'en peut plus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Quelqu'un me dit amen. Oh, Jésus de Nazareth, alléluia, aide-nous, Seigneur. Maintenant, ce n'est pas tout. Il dit, ce n'est pas seulement, tu vois, il ne faut pas seulement que ce soit en esprit, il faut également que ce soit en vérité. Aletheia, ça veut dire vrai, sincère, authentique. Oh, quelqu'un me dit amen. Amen. Tu vois, quand tu vas lire Ésaïe, chapitre, Ésaïe que je te donnais tout à l'heure, Ésaïe, chapitre 58, tu vas te rendre compte qu'on peut jeûner, on peut faire 40 jours, 21 jours, mais Dieu n'a pas agréé. C'est ça qu'ils disent en Ésaïe 58. Parce que tu ne l'as pas fait en esprit. C'est fait en esprit quand c'est fait avec amour. Comme pendant que tu jeûnes, tu as compassion des gens. Mais quand tu jeûnes et que tu es méchant, tu es austère, tu es sévère, tu as vu Satan. C'est pas monté. C'est pour ça qu'il y en a qui jeûnent. Mais après le jeûne, une petite sirène vient comme ça là. Oh frère en Christ. Et puis le frère aussi commence à bouger. Oh, boum. Pourquoi?
l'impudicité. Le feu consume l'impudicité. Si tu es tombé, ça veut dire que cette impudicité en toi n'a pas été consumée. Je déclare qu'elle sera consumée au nom de Jésus. Acclame, 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 acclame. Adorer, il faut que, pour que le feu vienne, il faut que ce que tu offres à Dieu soit fait en esprit, mais aussi soit fait en vérité. Ça veut dire soit fait de manière sincère. Le contraire de la vérité, c'est le mensonge ou encore la fausseté. Et tu n'as pas idée. Tu tombes. Ce n'est pas les idolâtres. Hein? Jésus a dit, tu peux être adorer le vrai Dieu, mais être faux. Comment fait-on pour être faux? Un, on est charnel. Deux, on ment. On est léger. On est superficiel. On est faux. À quel moment est-ce que tu es faux? Tu es faux lorsque tu fais des choses. Tu fais des offrandes. Tu danses. Tu pries. Alléluia. Oh Seigneur, nous te rendons grâce. Oh Dieu éternel et miséricordieux. Lorsque tu jeûnes. Ou tu marches avec la lueur de celui qui jeûne. Ouh là là. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sors de la montagne là. Ah, ça, frère, ça va? Aïe, qu'est-ce qu'il y a? Je sens des démons là. Je sens un feu qui est en train de partir vers les démons là. Waouh, mais c'est impressionnant ton jeûne là. Mais dis-nous, comment on fait pour jeûner 40 jours? C'est pas pour tout le monde, c'est pas pour tout le monde. C'est une grâce particulière là. C'est une grâce particulière, tu comprends? Et là d'ailleurs, je pars encore dans 21 jours. Waouh! Non, non, mais 21 jours, c'est rien, c'est rien. Waouh! Tu es faux lorsque tu donnes des offrandes. Jésus dit, pour te faire remarquer, il y en a qui ne peuvent pas donner une grosse offrande tant qu'on n'a pas fait un gros appel. Tu ne peux pas donner 10 millions dans l'anonymat. Je vais donner 10 millions. Pasteur, motive-moi. Comment on te motive? Fais un appel. Quelqu'un va donner 10 millions pour le Seigneur. Un frère va donner 10 millions. Et là, tu as, lève-toi. Et là, il voulait que ça, il n'attendait que ça. Qu'on appelle devant. Et dès qu'on l'appelle devant, lève-toi. Le frère vient avec humilité. Mais en fait, son cœur, dans son cœur, il voulait qu'on le voie. Et quand les gens disent, waouh, tel frère s'est levé, il dit, non, c'est rien. Mais dans son cœur dit, oh yes. Quand on est dans ma roche, yeah! Et là, le frère est vexé s'il n'y a pas la caméra. Il faut que la caméra zoome sur lui. Et il a la tête baissée. Et toi, tu te dis, waouh, quel frère, quelle humilité. Mais Jésus dit, quand vous donnez, quand vous priez, quand vous jeûnez, ne faites pas comme les païens. Il dit comme les hypocrites qui s'imaginent qu'à force de parole, ne faites pas comme les hypocrites qui font pour être vus, pour être appréciés. Tu es faux lorsque tu fais quelque chose. Nous, on ne sait pas pourquoi tu fais. Nous, on voit ce que tu fais. Mais on ne connaît pas tes pensées. Dieu connaît tes pensées, pas nous. Nous, on reçoit les offrandes. Mais il y a des offrandes que nous, on reçoit avec action de grâce. On prie pour toi. Dieu ne donne rien. Il n'y a aucun feu. Pourquoi? Tu as déjà eu ta récompense. C'est ce que Jésus dit. Dès que tu as fait pour te faire remarquer, Jésus dit, ah bon, regardez son cœur. OK. Ben, il n'aura rien de ma part parce qu'il a eu de la part de ses frères l'admiration lorsque les hommes et les femmes ont dit, waouh, quelle sœur, tu as vu comment elle chante? Waouh, on ne sait même pas pourquoi tu chantes. On ne sait pas comment, on ne sait pas les pensées que tu as quand tu chantes. On ne sait pas pourquoi tu fais ce que tu fais. Nous, on ne sait pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Quelle est ma mère, les acclamations ont disparu. Oh, alléluia. Oh, 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 oh. Tu es faux. Est-ce que tu te rappelles du nombre de fois où tu as élevé les mains? Nous élevons nos mains vers. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains. Nous élevons. Ça, c'est l'adoration. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons. Et là, toute l'église est là. Tout le monde lève la main. Il m'a dit, tu sais ce que ça veut dire, élever les mains? Ça veut dire s'abandonner. Quelqu'un qui lève les mains est une personne qui attend de dire, prends-moi. C'est comme l'enfant
qui est dans les bras de sa maman. Et puis quand tu passes à côté, quand tu lèves l'enfant lève les mains. Quand un enfant te lève les mains alors qu'il est dans les bras de sa maman, ça veut dire qu'il est prêt à venir à toi. Maintenant imagine-toi l'enfant qui lève les mains et puis veut venir à toi. Et puis toi tu fuis encore. L'enfant fuit. Tu dis moi non yo. Attends d'abord. Petit. Oh si j'ai des enfants, hein. Alors tu dis, bah allez, on va essayer une deuxième fois. L'enfant fait encore. Et puis tu fais, goûte, goûte, viens dans mes bras. Et puis il fait, et puis il fouille encore. Il dit, quitte là aussi. Mais tu dis, mais il a tort de se moquer de moi. Mais est-ce que tu sais que tu ne te moques pas de Dieu, mais tu te moques de toi-même. Il m'a dit, est-ce que tu sais le nombre de fois où tu as élevé les mains? Lever les mains, ça veut dire j'abandonne. Tu es venu à l'église avec la colère parce que ton mari ou ta femme t'a mis en colère. Quelqu'un t'a mis en colère. Tu as décidé en venant à l'église que tu vas lever les mains, mais tu n'as pas décidé en levant les mains d'abandonner la colère, d'abandonner l'impudicité. Tu es venu avec ton petit copain dans ta tête, dans ton cœur, ma petite copine, et tu t'es dit, quel que soit le message que le pasteur va prêcher, petit copain à la fin du culte, va rester petit copain. Ma copine va rester ma copine. Il a beau prêcher ce qu'il veut, je ne casserai pas. Il a bien essayé, ça ne marchera pas. Tu t'es dit, tu es venu, tu as résolu dans ton cœur de ne pas abandonner. Mais dans l'assemblée, tu lèves des mains hypocrites en disant, nous élevons nos mains vers toi. Et tarababa. Jésus dit à ton sujet, hypocrite. Tu sais ce que ça veut dire hypocrite? Hypocrites, ce n'est pas une injure. C'est une description. Hypocrite veut dire joueur de théâtre, comédien, acteur. Jésus dit, tu es un comédien. Mais le feu ne vient pas sur les hypocrites, sur les comédiens. Ils ont déjà leur récompense. L'acclamation des gens, c'est leur récompense. Le feu vient sur ceux qui sont authentiques, ceux qui sont vrais. Oh. Ah, quelqu'un dit amen. Oh, mon temps est largement dépassé. Et il m'a dit, oh Seigneur, il faut que je télécharge ça. Il m'a dit, tu es faux lorsque tu donnes des excuses. Tu as des mauvaises pensées, des mauvaises motivations. Tu donnes des excuses pour justifier. Moi, ma vie, je suis bloqué là où je suis parce que, à cause de ce que j'ai vécu, hein, c'est pas ma faute, hein, c'est normal. Moi, j'ai été violé, j'ai été abusé, j'ai été rejeté. Dieu dit faux. Tu es faux parce que ce que tu dis est faux. Il y a plusieurs témoins des Écritures qui peuvent te démontrer de ce que tu n'es pas là où tu es à cause de ce que tu as vécu. Il y a des gens qui ont vécu ce que tu as vécu, connu ce que tu as connu, mais qui ne se sont pas arrêtés là où tu es arrêté. Regarde l'histoire de Rahab. On l'appelait la prostituée. Elle était bourrée de démons, d'impudicité. Il n'empêche que cette femme, le jour où elle a décidé de marcher avec Dieu, alors qu'on ne pouvait même pas chasser les démons, je ne sais pas comment elle a fait taire les démons, mais elle est devenue une femme pieuse qui a engendré un homme pieux, un fils pieux appelé Boaz, qui a épousé Ruth. Et avec Ruth, ils ont donné naissance à Obed. Obed a engendré Isaïe. Isaïe a engendré David. Et de David est sorti le Messie. Dis à quelqu'un, sois vrai, sois vrai. Dis à quelqu'un, sois vrai. Quand tu veux que le feu descende, il faut que tu deviennes quelqu'un de vrai. Il faut que tu arrêtes d'entuber le monde et de mentir. Mentir, ce n'est pas ouvrir la bouche pour dire des mensonges. C'est mentir à soi-même. Combien de femmes ne sont pas prêtes pour le mariage, mais elles veulent se marier quand même. Tu as dit que tu es rempli de colère et d'amertume envers ton papa, mais tu veux quand même te marier. Ce que tu ne dis pas, c'est que tu es un ouragan. Tu as dit qu'il y a des femmes, elles ne savent pas respecter. Parce que c'est normal. Tant que si ta relation avec ton père n'a pas fonctionné correctement, il faut que Dieu te donne d'abord un père avant que tu te maries. Parce qu'il faut, il te faut un bon père, un vrai père, qui va t'apprendre ce que c'est qu'un père. Et tu vas apprendre à honorer cet homme-là, ton pasteur, tes frères, tes soeurs, tes anciens dans l'église. Tu dois honorer un père avant d'honorer ton mari. Tu ne peux pas faire avec ton mari ce que tu n'as jamais fait avec ton père. Mon frère, tu ne peux pas célébrer ta femme si tu n'as jamais célébré ta mère. Alors comment? Mais le problème, c'est que la plupart ne sont pas vrais avec eux-mêmes. Les sœurs, il y a des sœurs. Mon Dieu, j'en ai marre de voir ça. Elles ont l'air. Mais à l'intérieur, ce sont des Jézabel, ce sont des sirènes. Elles injurient leur mari. Le problème, c'est que, mais c'est normal. La colère que tu as avec ton papa là, ça va se répercuter sur ton mari.
Le problème, c'est que tu es fausse. Tu es fausse quand tu veux te marier, alors que tu n'es pas prête à te marier. Tu es fausse quand tu dis « je suis prête », alors que tu sais que tu n'es pas prête, parce que tu n'es pas encore détaché des blessures de ton passé. Tu es faux lorsque tu veux te marier à une fille, alors qu'avec ta mère, ça s'est mal passé. Tu ne pourras pas célébrer cette femme, tu ne vas pas célébrer ta mère. Alors calme-toi. Mais tu vois, la plupart des gens ne veulent pas. Ils disent « non, je suis prêt, alléluia ». Ce qu'ils ne disent pas, c'est que quand il aurait épousé cette fille, il ne va pas parler. Mais dis-lui maintenant, avant le mariage, que tu ne parleras pas. Tu seras comme froid, comme un glaçon. Ma soeur, dis au frère que tu vas l'injurier comme on ne l'a jamais injurié. Le problème, c'est qu'il le découvre toujours après la lune de miel. Sois vrai, sois authentique, sois sincère. Quand tu n'es pas au point, dis « je ne suis pas au point ». Tu n'es pas prêt pour assumer une fonction. Nous on ne sait pas que tu n'es pas prêt. Il y a des gens, tu sais, autour du pasteur. Le problème, c'est que tu n'es pas délivré encore. Ton âme est encore chargée du même esprit de séduction. C'est-à-dire que tu es autour du pasteur, mais tu as des pensées impudiques. Tu l'appelles papa, mais en même temps, tu as des pensées d'adultère envers le pasteur. Retire-toi, juste à toi-même, sois vrai. Mais non, tu sais, calmement, « oh papa ». Hippocrates, comédienne. Tout ce que tu offres à Dieu n'a pas de valeur. Pourquoi? Tu es faux, tu es fausse. C'est pour ça que les mêmes esprits d'impudicité, d'immoralité, de jalousie, d'amertume, de rejet sont toujours en train de t'oppresser. Tu pries, tu jeûnes, on ne comprend pas. Si, maintenant comprends. C'est parce qu'il n'y a pas la vérité. Et quand il n'y a pas la vérité, il n'y a pas le feu. Je te dis, sois vrai. Avoue. Et parfois, quand tu avoues, les gens vont dire, ah, si c'est comme ça, ah, je prends mes distances. Hein. Bon, on va te retirer telle fonction. Puisque tu as dit ça, ça veut dire que tu n'es pas encore prête. On va te retirer. Maman, ce n'est pas grave. Si les gens te jugent, ce n'est pas grave. Parce que la réalité, c'est que dès que tu as été vrai, les gens te jugent, mais le feu est venu. Et tu vas voir une personne qui était hier liée. Soudainement, les chaînes sont en train de tomber. Elles tomberont dans ta vie au nom de Jésus. Oh, Jésus. Sois vrai. Je finis. Je fais Speedy Gonzalez. Le Seigneur m'a dit de te dire. Je finis avec ça. Pourquoi il te dit d'être vrai? Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ne prospère pas. Il m'a dit. Si tu caches tes transgressions, pourquoi tu dis d'avouer? Il te dit d'avouer. Alors, il m'a d'abord dit pourquoi les gens n'osent pas avouer. Les gens n'aiment pas être vrais. Parce que quand ils sont vrais, dans le monde, quand tu dis la vérité, on te juge. Quand au commissariat ou au tribunal, tu dis la vérité, on dit, ah, mettez-le en prison. Quand tu dis la vérité, on ne t'épargne pas, on te condamne. Au contraire, c'est pour ça que les gens ne disent pas la vérité. Puisque si je dis, on va me condamner. Mais Dieu me dit de te dire, quand il te dit de dire la vérité, ce n'est pas pour te condamner. Il dit, celui qui cache ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse, il obtient miséricorde. Dis avec moi la miséricorde. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est lorsque Dieu t'accorde des privilèges, des bénédictions, des choses que tu ne mérites pas. Ça, c'est la grâce. Lorsque tu reçois de Dieu ce que tu ne mérites pas, ça, c'est la grâce. La miséricorde, c'est lorsque Dieu... La grâce, Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. La miséricorde, c'est lorsque Dieu te préserve de ce que tu mérites. De recevoir comme jugement. Il y a des châtiments à cause de tes péchés. Tu as fumé, tu as bu l'alcool, tu as fait du n'importe quoi, tu as couché avec les femmes, tu as été malade. Tout ton corps, ta santé, ton foyer est détruit. Quand c'est comme ça, n'invoque pas la grâce, invoque la miséricorde. Parce que la miséricorde, c'est lorsqu'un châtiment, un jugement arrive sur ta vie. Dieu dit, il faut que je l'enlève de ta vie. Je le fasse changer de trajectoire. Pour le faire changer de trajectoire, car le salaire du péché, c'est la mort. Pour le faire changer de trajectoire, il faut que tu avoues. Dès que tu as avoué le jugement, le châtiment, les pénalités qui devaient te frapper ou qui te frappaient, change de trajectoire. Et il dit, je te demande d'avouer, c'est pour que tu ne sois pas jugé. Car Jacques 2, verset 13, dit, la miséricorde triomphe du jugement. C'est pour ça que Dieu te dit d'être vrai. C'est pas pour t'envoyer en prison. C'est pas pour t'enfermer. C'est pas pour te piéger. C'est pour te faire grâce. C'est pour t'épargner
ce qui risque de frapper ta vie. Tu veux que le feu descende? Il me dit, tout ce que tu offres, assure-toi que ça respecte les lois. Assure-toi que ton cœur soit pur, vrai, sincère. Incline la tête avec moi. Incline la tête.